Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Premier mai c'était lundi. Jeudi à vendredi, je suis dans Valéa. J'aime te dire pendant toute campagne. Je suis là tout le temps. Je suis là tout le temps pour me venir garder les yeux. Ce n'est pas une nouvelle pour le côté de moi. Là, je suis allé à la Tibonite Noué. Mais avec le président de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale, le sénateur, grâce à qui c'est sénateur dans la Tibonite, député des Dunes qui est là ensemble avec nous, magistrat. Là. Au plus haut niveau de l'État, nous venons dire, peuple haïtien, nous venons dire le monde entier, pays d'Haïti, voulait prendre destin en main. Pays d'Haïti, rêve que nous avons toujours gagné. Pour que le peuple, quand il a mangé dans l'assiette, il a gagné l'argent dans la poche. Je ne tape deal pendant 22 mois de campagne là. C'est ça, nous dérapé là. Et entrepreneurs qui l'ont. Ils viennent là, c'est des gens qui n'ont pas d'ailleurs. Ils ont déplacé, ils ont décidé de venir quitter le business. C'est dit, ils viennent dit à paysans qui travaillent dans la vallée la Tibonite. À entrepreneurs qui viennent en vallée, la Tibonite, qui eux-mêmes ont paré. Pour unité, ça n'a pas cherché. Vivre ensemble, ça. Côté nous, quand mettez paysans, nous, quand mettez agriculteurs, nous, quand mettez nègres qui viennent usine dans la vallée, nous, quand mettez importateurs du riz, nous, quand mettez l'État ensemble, pour ça n'a pas cherché, nous, rêver depuis longtemps. Là, moi, en présence. Ça veut dire pour bien préciser, je suis chata tout pour plaisance. Maintenant, base compagnie Welling qui a fait route. Et nous, plaisance. Même blé clair. Moi, je ne viens pas là pour me parler de route et plaisance. Moi, je viens là pour me parler de route Gonaïve Cap-Haïtien. Quand tu bout dans la route, c'est pour sauter au cap pour arriver au doigt. Mon nom, non, cap garder là. Qui a passé misère dans route ça depuis, je dirais, 10 et 15 ans, parce que moi-même, tu gardes oublié, je fais tout du Nord, c'est route, moi. Son route, je passe là-dedans tout le temps. Nous avons dit depuis l'année 2000, la zone ça va être route. Je dis à mon président de la République, moi, moins décidé que d'ici 2018, la fin de 2018, fuck, route Gonaïve, Vaudoué, la fini. Ça veut dire, flon, moun. Qui était Gonaïve. Nous avons route Gonaïve la compagnie qui est le remix qui a fait Gonaïve et rien. Nous avons au travail, route presque finale à 80%. Compagnie qui est le Walling qui a fait Enri Plaisance. Nous avons ingénieur qui explique nous en détail dans qui vous sortez à jouer dans la route. Compagnie qui est le Stria qui a fait Plaisance Kankok là. Moi, je crois que le contrat signé d'après sa ministre, dit moi, semaine ça, je suppose joindre. Hors de démarrage, ça veut dire d'ici la fin de ce mois, on dit début juin, il y a dérapé. Moi-même, je dis, Kankok, Vaudoué, là tout, n'a pas rien. Ça veut dire, moun nan nan, yo mérité ça. Yo mérité pour que le, yo quitte Gonaïve, c'est pas dans l'enfer ça que yo entre. Moun nan au cap, moun nan limonade, moun nan quartier Mouré, nan Grande Rivière du Nord, nan haut du cap, nan tout du nord, pour ne pas dire Wanamet, tout le département nord de ça, tout le cap gardé, le cap tendim là, nous ne parlons pas de nous parce que nous avons voté, mais c'est pour ça. Parce que le peuple a mis le building en une, c'est la banque qui devait être. C'est un cousin comme vous serez aujourd'hui, c'est pour récolter. Et c'est ça qui mène nous la matin, hein? Pour nous venir garder, pour nous venir voir avec des genoux, équipement privé, travail offrir, que m'a félicité publiquement, sénateur Willow. Qui lui-même, avec Zongli, qui a commencé à faire des efforts, nous féliciter député Bourget, avec Zongli, route que M. Sa a commencé à percer dans le département ça, dans la commune Maïsab, dans la circonscription Maïsab là. Et c'est ça nous besoin, c'est synergie, ça veut dire vivre ensemble ça, coller ensemble ça, c'est ce qu'on a cherché, parce que division à quel côté a mené nous. C'est là nous tous mettons ensemble dans la tête de l'État pour
nous porter développement par le peuple là, c'est laisser le peuple là besoin de satisfaction. Parce que le peuple là, côté le rété à pauvre, les fins de voter, la tonne. Nous-mêmes, le peuple a voté à nous, mon grain de choix. Nous avons mis deux. Un seul, mettez nous ensemble. Pour nous travailler pour lui. Et c'est ça que nous avons dit. Hein. Nous sommes président pendant le mandat. Tout pays a besoin tout le temps. Mais toujours là. L'homme a quitté l'hôpital là, il dit, président, nous avons fait ça, la marche bien. Il dit, doc, qui problème ou rien, parce que vous racontez tout votre problème, bon problème pour nous faire ça, la marche bien. Il dit, président, nous avons un problème courant. Là, vous avez un blackout, parfois, c'est gros tête chargée dans la dedans. Nous avons un problème système de l'eau, l'eau traitée pour marcher sans plan qui n'est pas bien marché. Nous avons un problème pour accessoires que nous avons besoin. Ça va prendre 4 jours pour régler tout le problème. Je vais tourner dans le plan, tout le bagage est marché. Fierté aujourd'hui, c'est que le pays, que tout le monde comprenne, moun a dit Haïti pa gen moun. Mais je dis, je suis fier pour moi Haïti gen moun. On l'idée que saute dans la tête un moun qui n'est pas docteur, qui n'est pas infirmier, mais l'idée ça, après moins que 3 mois, il y a l'autre technologie, j'aime faire campagne, je te dis, je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Il y a innovation qui a fait dans la dialyse. Là. Innovation, même genre avec. Ça, docteur, j'ai dit qu'il est gros docteur dans l'affaire, parce qu'il a caché ça, même bien information sur lui. C'est un plus gros docteur qui est dans la zone. Je ne vais pas parler d'Haïti, non. Toute zone Amérique et Caraïbes. Je ne sais pas, non. C'est le pays d'Haïti qui est. Je vais nous battre un gros bravo. Je ne sais pas, docteur, j'ai dit. Je ne sais pas pour qui candidat de vote. Je ne sais pas qui parti politique. Mais je dis à son docteur qui a un paquet de connaissances et son haïtien qui est compétent, qui met des compétences au service de la population haïtienne. Moi, je dis donc là, encore pas docteur, mais comme président de la République, moi, j'ai eu un problème, non. Moi, pas de connaître aussi vite si tu as bien innovation qu'on va le faire dans le domaine. Moi, je retire le chapeau devant nous, monsieur. Mon premier ministre, docteur, mon directeur au Fatma, docteur, qui menait, docteur, j'ai dit, pour venir faire un autre système qui permet aux paysans, dans la deuxième section communale, les Iwa, Captain Demla. Qui permet paysans dans Guinodé, loin Jean-Abel Captain Demla, si vous avez un problème d'insuffisance rénale, vous n'avez pas capable de marcher pour venir dans le centre. Chaque semaine, 3 fois par semaine, vous avez besoin d'un service là direct. Mais c'est ça, là nous dit, nous voulons mettre l'État au service communauté, au service nation. Ou pas besoin. C'est vous qui pour compte toute bagaille comme président. Moun qui compte toute bagaille, yo là. Mais ou même comme président, il faut bailler l'exemple. C'est ça que je fais. Dans le cas, problème dialyse là, je me suis rencontré au moment avec une jeune demoiselle dans le centre dialyse de l'hôpital général. Je connais peut-être qu'il y a gardé là, il y a attendu. Je t'ai remis. Premier monde pour docteur Jésus, mettez système ça pour lui. Madame ça te dit, il y a 3 petites. L'oblige à abandonner l'éducation de l'autre petite pour le sauver, grande petite ça. L'attendez là. Prochainement, on vient dans l'hôpital général. Ou pas car président. Parce que sans pile difficulté pour le président. Mais président, j'aime toujours dire la venir vers nous. M'a toujours tout près nous. Chaque semaine. Mais, lorsqu'on vient dans l'hôpital général, demander
pour créer petit tout ça, jeune petite fille morte avec lui, pour être capable de mettre un système dans le lit qui va permettre ou pas marcher 23 fois par semaine. Ou te dit, c'est devant le porte un monde qui va dormir dans le Port-au-Prince pour suspendre dormir devant le porte-monde. Installé, tu vois, il y a 6 MW qui sont installés au CAI. Et pourtant, Tigouav a exactement 1,5 MW en fait qui est disponible. Ça veut dire, courant Tigouav là, c'est le même qui baille jusqu'à Miragouane. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, Miragouane n'a jamais eu de courant parce que 6 MW installés, c'est 1,5 MW seulement que la centrale là baille. Et pourtant, l'État toujours continue à payer même l'argent. Au cas même, il y a 6 MW qui sont installés, c'est 3 MW réels que au cas joignent. Mais ça n'a pas lieu là. N'a pas dit leur centrale a marché. Centrale ça a gagné des mois. Si nous elle n'importe qui mon au cas là, mandez depuis qu'il leur centrale au cas là démarche. Mandez mon tigouave depuis qu'il leur que au tigouave quoi. Et m'a profité d'occasion. Pour me faire, pendant ma palais là, pour porter des documents pour moi, mon document sur. Merci. C'est-à-dire pour me garder devant la caméra, c'est commission de pilotage de la réforme du secteur de l'énergie. Mais son sommet exécutif qui fait le 3 novembre 2015, son rapport intérimaire. Et dans la page 4 là, nous avons un pour me dire, pour me lire, pour le peuple haïtien. Qui ça? Que Mounsa, qui c'est des gros experts, gros savés, gros fonctionnaires publics, qui ça a été écrit? $1 million, Mounsi Gouav après l'amour, Mounoka après l'amour, pas jamais bien courant. Information que m'y a, l'État paye $2 million et puis il y a 6 MW qui installé Tigouav, il y a 6 MW qui installé au CAI, et pourtant, Tigouav a exactement 1,5 MW. En fait qui est disponible. Ça veut dire, courant Tigouave là, c'est le même qui baille jusqu'à Miragouane. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, Miragouane n'a jamais eu de courant parce que 6 MW installés, c'est 1,5 MW seulement que la centrale là baille. Et pourtant, l'État toujours continue à payer même l'argent. Au cas même, il y a 6 MW qui sont installés. C'est 3 MW réels que Okaï joigne. Mais ça n'a pas lieu là. N'a pas dit leur centrale a marché. Centrale ça a gagné des mois. Si nous elle n'importe qui mon Okaï là. Mandez depuis qu'il leur centrale Okaï là démarche. Mandez mon Tigouave depuis qu'il leur que vous tenez quoi. Et m'a profité d'occasion pour me faire pendant m'a parlé là pour porter document pour moi mon document. Merci. C'est-à-dire pour me garder devant la caméra, c'est commission de pilotage de la réforme du secteur de l'énergie. Mais son sommet exécutif qui fait le 3 novembre 2015 son rapport intérimaire. Et dans la page 4 là, nous avons un pour me dire, pour me lire, pour le peuple haïtien. Qui ça que Mounsa, qui c'est des gros experts, gros savés, gros fonctionnaires publics, qui ça a été écrit? Il dit que la situation des CAI de Petit Gouave et de leurs environs doit être adressée en urgence, vu que la ETRAC qui assure les services de production ne dispose plus de contrat depuis plus d'une année. Là, on a parlé de 2015. Ça veut dire ETRAC pas de contrat depuis plus qu'un an, en 2015. Ça veut dire. Depuis 2014, il n'y a pas de contrat. L'Enfin Bay, Nord-Ouest, l'eau équipement parle, c'est dans le nord que ma privée. Ça veut dire, je dis 4 janvier. Moi, dans le nord, moi, pour 70% équipement, parce que c'est 30%, c'est pas tout équipement, on va me dire ça. Le 30% équipement derrière, qui privé. Au fur et à mesure, parce que l'équipement, nous commençons à livrer en décembre, nous avons fini de livrer fin avril. Parce que chaque quantité d'équipement qui rentre,
chaque département dans le pays a besoin de l'eau paille. Parce que le pays a, c'est 27 750 km². Pays a, c'est 146 communes. Pays a, c'est 572 sections communales. Haïti, c'est 10 départements. Ça veut dire chaque direction départementale qui est dans le pays. Pour avoir l'équipement PAO. Et chaque département pays a pour avoir responsabilité pour faire 100 km de route chaque année. Chaque direction départementale. SEEUR, ce service d'entretien d'équipement urbain et rural, sont directions déconcentrées, ministère des Travaux publics. Nous, avec le ministre là, et avec le directeur SEEUR là, et nous venons là, si nous comprenons bien, là, c'est Radio Nationale, ça veut dire, dans le cas de réparation que nous avons fait pour Radio Nationale reprendre localement, moi j'ai jugé bon pour me garder environnement radio pour moi comment environnement est-ce que radio l'argent l'état dépenser à l'argent taxe à quel peuple là est-ce que il propice pour me dépenser comme ça là et puis nous venons dans l'autre gros cimetière un cimetière camion encore sur toute l'autre cimetière camion dans le pays ici là si nous regardons derrière nous là c'est des camions Renault que l'État ici a acheté, c'est des camions, chaque camion sera presque ministre. Dans 300 000. Dans 300 000 dollars. Exact. Chaque grain. Là, il y a 30 camions comme ça, qui campent pour des pannes mineures. Mais sauf que le achat a fait, il y a quelques petits problèmes techniques, responsabilité qui vous prend pour te faire réparer l'équipement, pour te faire entretenir. Responsabilité, ça n'a pas de point. Je vous dis, nous-mêmes, nous venons, comme nous disons, nous avons continué, nous avons corrigé, nous avons innové. Ça, c'est une correction nous allons porter pour nous sauver 9 millions de dollars que l'État haïtien dépensé comme peuple-là pour nous voir comment pour nous faire camion, ça, dans l'esprit caravane qui va lancer dans l'Ouest-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le département de l'Ouest, c'est un gros département. Chaque direction départementale, il va jouer 10 grands camions. On dit 8 camions, c'est ça, ministre, ouais. 80 camions, 8 ouais. Camions. Parce que on dit 10 camions, là-bas, chaque direction départementale. Maintenant, 10 camions, pas qu'à faire rien pour le département de l'Ouest. Qui courait le mouvement, ça, qui devait 22 mois, dans la bataille, là, moi, nous, là. Mais il ne faut pas oublier, nous, toujours, dit, nous sommes gourmets, nous mettons président, mais nous, le président, a servi tout le monde. Il n'a pas servi, si vous parlez. Pour le quitter l'autre groupe, l'observer tout le monde. C'est même genre avec propriété moulin. Je ne sais pas qui propriété moulin qui était voté, ni qui ne savait pas voter. Toute propriété moulin, je vous dis, ça qui intéresse, c'est bailler un encadrement pour que les récoltes la fête dans la Tibonite, durent qu'à jouer un bon Jean Moulin pour le moulin. Et Jean me dit, nous, ça sont boucané pour nous donner bouillie. Ça c'est trois quêtes là. Chalade. Chala, c'est mouvement bloc de production. Mouvement coopératif. C'est Luc Chal. Le tout valet à net. Nous finissons mettre tête nous ensemble. Nous avons toujours dit. T'es nous et pour nous. Pas qu'il y a personne qui va venir parler d'avec t'en. Tout le monde va parler de production qui fait là. Pour nous mettre un système qui va permettre de durer à bien mouler, durer à bien mettre dans le sac, là qu'on y a à nous joindre un pays qui voulait acheter du riz, mais nous, même j'avais des yeux là par exemple qui m'a dit nous acheter. Mais on a pour produire à présenter pour le vendre. C'est pour ça bloc de production. Moi, encourager le mouvement ça. Nous, le 17 octobre, je suis allé à la coopérative. Mon quantité de tracteurs agricoles. Chaque coopérative a une possibilité pour une quantité de tracteurs. Et nous avons continué avec le mouvement parce que Valais la Tibonite rêve pas nous émettre dans 4 ans qui étaient mieux 50 000 hectares en Valais dans Valais. Pour aller faire route pour vous, pour jouer une route qui a sorti Maïsac pour venir à Echelon, les gens qui rivière, qui ont fruit, qui ont barré. Travaux publics, je dis,
après 4 ans de mandat, ça sera 7 ans. Il faut qu'un pont, lorsqu'on sorti, maïs à droite de neige, il faut qu'un pont qui fait, il faut route l'asphalter pour route la soie. C'est ça. C'est ça que vous avez vu aujourd'hui. Les 20 jours, lorsqu'on sort Thomasic pour neige, il faut route la asphalter. Il faut qu'un pont qui jeté sous rivière. Aujourd'hui, pour mettre ses dettes, nous ne sommes pas encore en conseil président qui a parlé, mais équipe. Nous ne sommes pas encore, ce n'est pas sur le podium, nous sommes là. Nous sommes sous le bulldozer qui est l'argent peuple, l'argent acheté pour venir servir. C'est sous l'île, c'est ça que nous devons mettre. Nous devons mettre route, nous devons mettre courant, nous devons mettre de l'eau. Nous devons mettre agriculture. C'est ça que nous devons faire. Même si nous avons acheté plus de 150 hectares agricoles, mettez dans tout le pays. C'est l'État qui achète avec l'argent taxe à qu'un pot nous. Jodi a m'a dit nous, l'État ça, son l'État que n'a met sous pied, n'a construit pour nous servir. Nous tous nous venons là, pour nous venir garder à yeux nous. Est-ce que ça nous te ouais qui te passe riche là? Est-ce que ça nous te ouais qui te passe bon de père? Ça nous passe au cap là? Est-ce que c'est lui qui a passé dans le Gonaïf là? Eh bien, je dis que c'est lui qui a passé dans le Gonaïf. Je suis venu pour me dire que dans la Tibonite, département ça, pendant 4 ans qu'il est venu, il y a 400 km de route asphaltée là-dedans, dans le département. Pour avoir 100 km de route asphaltée chaque année. Et je dis lui, année ça, nous avons 5 routes prioritaires avec qui nous avons commencé. Premièrement, nous avons Gonaïf Tenev, première route qui vous fait. Deuxièmement, nous avons Gonaïf Ans Rouge, deuxième route qui vous fait. Troisièmement, nous avons Henri Saint-Michel de la Dalaye, troisième route qui vous fait. Quatrièmement, nous avons Gros Moine Gonaïf qui commençait déjà, quatrième route qui vous fait. Cinquièmement, nous avons Grande Saline RN1. 5 premiers routes avec avec on a commencé avec 40. Équipement a coûté 123 millions de dollars. L'acheter équipement pour tout pays, on a acheté 594 équipements tout neuf. Ça veut dire département nord-est, même genre avec tout notre département, qui est l'eau équipement pâle. Et dans l'équipement pour maintenant tout pays, jodi a on dit plus parce que presque tout gouvernement déplacé. Jodi a qui ça fait dans nord-est nous ka wè pile équipement nous ça débarqué c'est parce que nous même nous avons une conviction. Magistrat dans 12 communes département 13 communes département là. M'a dit nous moi vinn là moi vinn dit nous j'ai nous commencé mais tête ensemble dans l'association. Je viens de dire nous, le map vient là, je dis premier ministre là, et puis je dis sénateur Awaza, je suis un petit bail qui ne peut pas faire bien seulement. Je vois deux équipements qui pour labourer, et puis dans la ville pour liberté. Parce que je ne peux pas labourer dans le béton. Je suis pour labourer en province, en dehors, côté paysan planté. Tant pour m'a demandé nous, magistrats, ensemble, mettez mes pour me parler. Pour me parler, Charu, ça a campé dans la ville encore. Pour eux-mêmes, pour aller dans le pandé, à côté de mon terre, pour la bourrer. Monsieur, dame qui vient avec certificat, nous, côté nous d'apprendre à conduire, Angel Louyo, m'a dit nous ça. Pays ça, son pays qui méritait pour eux bal espoir. Ça, c'est un gros symbole qui fait là. Et je demande à la caméra pour regarder ça qui fait là. Des jeunes qui viennent avec diplôme. Ils ne pas venir demander là. Ils ne pas venir donner 1000 gouttes là. Ils viennent pour venir montrer diplôme. Yo. Que après nos bagailles, ils viennent demander travail. C'est ça que nous cherchons dans le pays. Ya. Ça veut dire, moun tap dirige le pays. Ya. Parce que le pays va diriger pas le président seulement. Je ne veux pas la élite là aujourd'hui. Moun sa yo pa yo konnen que jodi a jeunesse là c'est lui même qui a
bande du Nord, sur la route conduisant vers l'Abadie. C'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Je me souviens de l'état de cette route. J'étais entrepreneur, j'avais l'habitude de me rendre à l'Abadie. Il fallait mettre plus de 2 heures parfois pour se rendre à l'Abadie. Aujourd'hui, avec la construction de cette route, en moins de 20 minutes, nous pouvons nous rendre aujourd'hui à l'Abadie. Voilà pourquoi le pouvoir que vous m'avez donné, j'ai pris la décision, une décision extrêmement difficile et courageuse pour construire 4000 km de route sur les 4 ans qui me restent au pouvoir. 4000 km de route, ça fait 1000 km par année et ça fait 100 km par département par année. Le département du Nord n'est pas exclu de ces 100 km. Le département du Nord va avoir 100 km de route pour cette année. Le ministre des Travaux publics qui est là, le directeur départemental des Travaux publics qui est là, le président de la commission des Travaux publics du Sénat qui est là. Ils sont tous témoins de la volonté manifeste du président de la République et cette volonté qui s'est manifestée par l'achat de plus de 123 millions d'équipements lourds, de dollars d'équipements lourds, et nous avons équipé toutes les directions départementales de ce pays. Le département du Nord a aujourd'hui des équipements lourds pour construire des routes, pour interconnecter les communes. Comme je l'ai dit le mois dernier, nous allons commencer avec la route de Plaisance allant vers Pilate, la route de Limbé allant vers Port-Mago, la route de Barrière-Battant en passant par Dondon pour aller vers Saint-Raphaël, la route de Grande-Rivière-du-Nord en passant par Baron, par Ranquitte, par La Victoire pour aller vers Pillon. Nous allons interconnecter toutes les communes du département du Nord parce que ce pays nous appartient et c'est pour ça que je viens avec cette nouvelle stratégie qui est la caravane du changement. Nous ne voulons plus cette politique de slogan. Pays à bouquet avec slogan. Je dis à fond de travail, ça que ça, nous marier, je dis. Et c'est pour ça, là, je dis, moi, je viens dans l'inauguration route, ça. Moi, je viens dire, nous, route, m'a dit, c'est route qui prend le temps que route, ça. C'est route qui peut asphalter, je ne vais pas parler de route en débat. C'est route avec asphalte, c'est ça. Je ne vais pas parler à la ministre de la République, je vais demander, depuis qu'il est, il y a des gros travaux de curage qui fait dans le pays. Le président, il y a 35 ans de travail public, je n'ai pas changé, on flotte équipement. Pendant 35 ans de travail, il y a nos rivières qui fait des travaux de curage dans le faire là. Pays a grand pile, en pile, en pile de problèmes. Avant même de parler de l'équipement, moi t'ai dit, chaque haïtien qui a regardé, qui a écouté, il faut que je gâche. Nous arrivons dans un moment dans le pays à côté. Pour nous mettre vivants ensemble devant. On prend exemple, équipement ça où vient. Regardez la population là qui vient entendre, qui vient regarder, qui vient nous agir. Parce que l'homme de venir me offrir, me promettre, je dis. Je dis que je vais tourner avec l'équipement. Mais l'équipement est venu. L'équipement est venu là. Nous avons un militaire qui campait maintenant là. Jeune garçon. Qui c'est eux-mêmes qui va l'opérer, équipement ça, il y a un ingénieur là parmi eux. Et c'est pour ça que nous avons dit que l'armée, ça c'était Wall. Son l'armée au service du développement. Aujourd'hui, l'armée ça, toutes âmes de guerre d'elle là, mais âmes de guerre, gros bulldozer, gros excavatrice, gros compacteur, gros camion, ces âmes de guerre l'armée ça. Parce que son l'armée qui est en guerre avec sous-développement, son l'armée qui est en guerre avec le problème environnemental que le pays a gagné, son l'armée qui est en guerre avec la misère que le peuple a plongé la donne de jour en jour, puis plus, nous en guerre avec tout problème, son l'armée qui est en guerre avec la corruption
parce que c'est une gangrène qui empêchait que le pays a joint tout ça le besoin pour faire. De gros femmes qui ont fait premier pays ça dans le terrain. Et nous dérivés remettre des prix. Femme dit, moi je ne connais pas si 200 000 gouttes de rien d'importance ça pour les jeunes Congolais. Là, je m'attendais, c'est des récompenses de 200 000 gouttes que vous nous baillez, dit monsieur, nous sommes Congolais. Même le moi-même, je me dérapé la première fois dans la vie. Je me dérapé avec 10 000 gouttes. Mais, ça me toujours dit, c'est pas l'argent qui fait. Mais le premier ça qui fait, je me dérapé, c'est l'idée. Même des 200 000 gouttes, comment une entreprise agricole va faire déraper? Et puis, c'est le contraire que vous voyez. Jeune garçon, je parlais là, des moyens. D'ailleurs, monsieur, qui devient 20 poules, alors on va annoncer du tout, que nous avons entrepris le vacciné, nous devons avoir tout. Avec moins de poules, mais parce que nous commençons en 2007, et le marché décidé d'entrer dans la politique, de dériver un produit. Plus de 25 000 poulets de chair chaque 45 jours. Je vous dis, on va peut-être voir, peut-être presque 45 jours. Ça veut dire son business que vous connaissez. Pire au problème de business, ça n'a rien. Système financier va avoir des gens qui ont une production avicole. Parce que l'aviculture, c'est une filière dans le secteur agricole. Mais le système financier haïtien n'a pas été mon corps pour développer cette situation. Et pourtant, là nous parlons du secteur agricole, mais vous comprenez bien, c'est tout ça qui s'agit de volailles, œufs, viande, poules, protéines, tout ça dans l'agriculture. Et pourtant, la banque ici n'a pas été mon corps pour faire business. D'ailleurs, pour y réduire, ce n'est pas même pour faire business seulement. Sous chaque 100 dollars, que le système financier a produit dans le crédit, il y a 1 dollar qui est dans le crédit agricole. Ça veut dire 1% de crédit total, crédit global de pays qui est dans le crédit. Le gouvernement haïtien renforce graduellement la gouvernance en matière de gestion des risques et des désastres. En ce sens, le gouvernement a élaboré un cadre légal pour le renforcement du système national de gestion des risques et désastres et la promotion de la direction de la protection civile en direction générale de protection civile. Haïti dispose d'une stratégie intersectorielle de surveillance pour réduire sa vulnérabilité aux désastres et catastrophes naturelles. 5 stations hydrométéorologiques ont été installées dans le lit de 5 rivières du pays, ainsi que 7 stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du sud et du nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La population devient de mieux en mieux préparée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Un appui considérable est donné à l'application de la stratégie sur les risques sismiques adoptée en Haïti en 2011. Le renforcement de certaines institutions techniques clés, comme le Centre national de l'information géospatiale, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et le bureau des mines et de l'énergie à travers l'unité technique de sismologie permet au pays de disposer de l'information géographique actualisée et des données fiables en temps réel. Voilà aujourd'hui, ponctuel,
au rendez-vous que j'ai donné à la fin de l'été 2018 pour la présentation officielle de ce que sera sous mon administration le programme de modernisation de l'État 2023. Avec pour objectif fondamental une administration publique au service des usagers, au service des citoyens. J'ai maintes fois insisté sur l'importance d'une gouvernance publique assise sur des institutions fortes, fonctionnant dans le cadre des principes, des règles et des procédures. J'ai aussi plus d'une fois déclaré qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans une bonne administration. C'est pourquoi, joignant les actes à la parole lors de mon discours d'ouverture au Forum international sur la réforme de l'État le 22 mars de l'année en cours, j'avais instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions en vue de poursuivre de manière déterminée les programmes de réforme en cours et demander également au Premier ministre, par le truchement du coordonnateur général de l'ONRH, de préparer ce document qui, désormais, détermine, précise et indique les dispositions nécessaires, les mesures, les actions à prendre pour aboutir à une fonction publique rénovée, une administration publique modernisée, déconcentrée et décentralisée, et une gouvernance économique au service du développement du pays. Pour moi, Dimoun, dans la Tibonite, merci. Merci pour la confiance que vous avez fait moi. Et deuxièmement, pour moi, remercier magistrat qui là. Moi, j'ai changé discours magistrat 17 octobre 2017. C'est un discours qui était très long. Et discours, pas de long pour remercier parce qu'il était une revendication de ville machin. J'ai changé sénateur Garcia Belva. Sénateur Yuri Latortu, député Charles Jean-Si. Son équipe, moi, songe campagne électorale là, tant qu'aujourd'hui. Moi, songe l'homme Vin Machin, monsieur Abdim président, mais discours campagne ou machin. Parce que chaque ton ils vont côté, équipe qui a voilà, les doux que président, mes problèmes qui viennent, ça partit de pour nous parler, pour nous joindre votre peuple là. Et femme dit, l'homme dérivé machin de Saline. Problème terrain football là, tu fais bien dans le jeu. Ça fait courant, mon yo te dit que nous sommes un petit tonton qui a 15-16 ans. Nous avons dit, président, je ne vais pas voter, mais maman et papa, nous ne vais pas me demander pour dire que je vais voter pour. Je demande, monsieur, qui s'allie, le président, ouais, moi-même là, depuis que je fais, je ne vais pas courir, machin. Je dis qu'il a joué, je dis que j'ai 15 ans. Il dit, ça veut dire machin, président, il y a 15 ans, il n'y a pas de courant. Bon, je garantis le président qu'on va mettre courant, machin. Maman, ma papa, m'a voté pour. Je dis, je parle de première élection 2015. Parce que monsieur là, je vais regarder moi. 2015 à aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans, disons presque 4 ans. Monsieur, il y a 18 ou 19 ans. Monsieur, ouais, ça le demande, 20 mois après, c'est lui-même qui l'a réalisé là. Et ça n'a pas réalisé dans le machin de Saline. Fierté PAM comme chef d'État. Fierté PAM comme haïtien authentique qui sont dans la racine du peuple. Fierté moi, c'est que première centrale hybride, je ne voulais parler de centrale solaire diesel, qui construit par EDH, électricité d'État d'Haïti, c'est dans la ville côté. Après nous fin pour indépendance, nous, premier capital pays d'Haïti, nous voulons parler de ville de Saline, ville papa nation. Ça veut dire que c'est là nous venons mettre lumière pour nous retirer mon dans le fait noir. L'idée ça devine dans la tête, c'est pas de jour. Depuis le moi dans la campagne, nous avons toujours qu'on aime de dire que moun pas là son poisson pour bailler chaque jour. Meilleure façon ou qu'a retirer mon pauvreté, c'est l'heure où montrer le péché.
Mais malheureusement, l'État, nous connaissons Jean Salou, administration politique est difficile. C'est jusqu'après 22 mois, et je remercie l'équipe, ça, Premier ministre, là, que je remercie publiquement, parce que l'homme fait réunion avec lui. Je dis PM, je dois construire toute route qui est dans le pays. Je dois mettre des lumières dans tout coin dans le pays. Je dois mettre de l'eau de tous côtés. Mais peuple là, faut nous jouer nos gens. Boucaner pour t'en bouillir pour nous faire. Ça veut dire, faut nous voir comment pour nous arriver. Sous monde qui a plus de problèmes, ça veut dire moun qui n'a pas attendu, moun qui n'a nécessité pour gérer yo, vite. Yo. Femme dit rapidement, il te mette un comité sous pied. Dans le comité, ça, qui a un ministère de finances, qui a un cabinet, qui a un cabinet PAM, ensemble, mettez tête ensemble, regardez qui ça gagne dans l'État pour nous descendre pour arriver sur le peuple là directement. On a de participer. Nous jouons dans l'ONA possibilité pour nous créer 20 000 crédits. 20 000 crédits pour femmes à 25 000 gouttes. Femmes, dis-nous ça. Je demande pour le lancer dans le mois de décembre dans tout. 20 000 femmes qui pourront joindre 20 000 crédits à 25 000 gouttes. Je me réjouis aujourd'hui d'accueillir au Palais National les 100 lauréats du concours pour la constitution du corps d'ingénieurs et d'architectes de la fonction publique. Cette cérémonie revêt pour moi un sens tout à fait particulier, car il fait suite à un engagement solennel que j'ai pris devant la nation, que j'ai réitéré en maintes occasions. Des instructions ont été passées, des actes ont été posés, actes qui visent à renforcer l'administration et la fonction publique en vue d'offrir de meilleurs services à la population. À chacune et à chacun d'entre vous, j'adresse mes plus vives félicitations. Je suis heureux de rendre hommage à travers vous à la jeunesse qui est le porte-flambeau de l'avenir et la gardienne des valeurs de notre République. Une jeunesse à l'émancipation de laquelle je suis profondément attaché. L'union fait la force, c'est devise nous. Mais malheureusement, système ça, système pesé sous ça, libre nous à l'autre devise, diviser pour rire. Chaque temps, un nègre qui besoin de vivre plus riche, ou bien un groupe monde qui besoin de vivre plus riche, ils mettent nous en face de l'autre. Et puis ensuite, la union nous fait une boumée à l'autre. Non, c'est le combat à mort qui est-ce qui profite de butin guerre, c'est pas nous-mêmes. Ou même qui dans la politique, je dis à Capgadim, là, bataille à mort, ça, lutte ça, c'est pas vous qui pouvez bénéficier de lui. C'est le monde qui pourra signer un gros contrat dans la division, dans la transition, c'est vous qui pouvez bénéficier de lui. Je dis à, pour voir que le peuple a besoin, pour voir. J'aime toujours dire dans la campagne, le pouvoir vient de Dieu. Le peuple a bon pouvoir, bon Dieu servira le peuple à vous. Moi, je prends courage demain et nous te dis merci parce que vous souhaitez le courage. Mais si pour me camper pendant 22 mois, je fais campagne, élection crasée sur moi, je vais camper, mon président, après 2 ans, 9 mois, jour, date pour date. En pile gros ouragan passé, nous toujours campé là. C'est parce que bon volonté magnifique.
pour nous arriver à travailler ensemble avec tout le monde. Pour ne pas mettre personne dehors. Parce que tout le monde voulait comprendre que nous avons fait une révolution dans le pays, même à tout mettre un adjectif derrière pour nous, nous avons besoin d'une révolution inclusive. Une révolution côté tout le monde qui a participé là-dedans, quel que soit côté où sorti. Moi exactement dans ce côté immeuble qui a construit pour un AGD, AGD c'est l'administration générale des douanes. Nous, côté construction qu'a fait le ministère des Finances pour consommer des comptes, construction qu'a fait pour la direction générale des impôts. Mais il faut me dire que depuis que je finis de parler le 28 octobre 2019, là, sous problème courant, nous avons pile haïtiens qui étaient concernés par ça et nous avons pile monde qui relève tout. Et c'est comme ça, mes 11 amis qui étaient fait me connaître, qui étaient dit président. Pendant que l'immeuble a construit, je connais quoi que l'État a dépensé un pile comme dans les affaires courantes dans la zone Tigouave avec Okaï. Et pourtant, la zone ça toujours dans le noir. C'est-à-dire que la zone est toujours dans le blackout. L'État paye chaque mois d'après documents que nous avons d'ailleurs, je vais présenter nos documents. Son document que la commission intérimaire qui travaille sur les affaires secteur énergie, sur la réforme. Document ça clair. Il dit que l'État a payé chaque mois 2 millions de dollars pour Okaï avec Tigouave. Et pourtant, l'État paye 2 millions de dollars. Moun Tigouave a brûlé l'ambre. Moun Okaï a brûlé l'ambre, pas jamais bien courant. Information que m'y a, l'État paye 2 millions de dollars et puis il y a 6 MW qui installent Tigouave. Il y a 6 MW qui installent Okaï. Et pourtant, Tigouave a exactement 1,5 MW en fait qui est disponible. Ça veut dire que courant Tigouave là, c'est le même qui baille jusqu'à Miragouane. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, Miragouane n'a jamais eu de courant parce que 6 MW installés, c'est 1,5 MW seulement que la centrale là baille. Là, on est que l'heure pour nous faire historique. L'heure de prendre décision, le 1er juin 2017, nous songeons dans l'ouverture de saison cyclonique dans Delma 2. Moi, je dis que Pral a un contrat qui va le faire pour nous équiper tout le pays, le ministre de l'Éclat, qui pourrait permettre 6 000 km pour qu'il y ait dans le pays. Qui n'a jamais ouvert la casse-pâte. 6 000 km de route, ça y est, qui n'est pas accessible. Parfois, il y en a où ça y est, même sous cheval, mon magasin de la route. Ministre de Chita, avec équipe, l'idée du président, la meilleure façon pour nous être capable de faire le travail, il faut nous redynamiser la direction de la bataille. Et c'est ça que nous commençons à faire. 10 directions départementales, ministère de travaux publics dans le pays aujourd'hui, ils sont équipés. Mais il ne faut pas oublier. Là où finit mettre l'équipement dans la direction départementale, il faut qu'on ait une possibilité pour faire le travail. Encore ministre, tu travailles pour dans le budget 2018-2019, tu as un corps qui te mette pour te décentraliser le budget. Ministère de la République. Mais malheureusement, Parlement, tout le monde est déjà. Il y a 15 millions de gouttes par direction départementale par mois, qui ont un montant total de 1,8 milliard de gouttes par année. Si vous nous convertissez, vous nous convertissez de l'année, si vous nous faites cet exercice là, environ 18 millions de dollars, qui pourraient faire tout le pays à la. Commune n'a joué l'électricité, commune n'a joué de l'eau potable, femme dit nous, installation système. Hydraulique là qui a fait là, il y a 21 km tuyaux qui a installé dans la ville de Tiburon pour desservir Caillou. Ça veut dire pour de l'eau dans Caillou directement. Problème, les gens qui ne peuvent pas faire bien marcher dans le pays, sont bloqués le pays plusieurs mois, ça fait pays là,
fait que le projet SACTA supposé fin en janvier 2020, l'a fini jusqu'en juillet 2020. C'est pour ça qu'il faut nous-mêmes nous mettre tête nous sous deux épaules nous. Pas écouter personne qui vient dire nous parole pour nous tomber dans sac pas ça. Parce que là nous votons président, nous votons pour le travail. Là nous votons président, nous votons pour le capable de réaliser la promesse que le fait nous. Courant, c'était une promesse. Moi, nous sommes tant de directeurs dans ces pas. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Parce que, en fait, je dis à rêve moyen, il commence à réaliser là. Dans le côté qui est loin. Je suis plein de ça. On parle de plan de drainage, irrigation, construction de routes agricoles, etc. Moi, j'ai pris une décision. L'homme t'a monté un gros projet sur le côté de l'université de Caracol là, et les monades là. J'ai pris une décision pour venir aider. Nous avons un pile agriculteur. Moi, un pile visage dans le clan. Femme dit nous que je dis à NAP inaugurer un centre semencier, mais souci pas moins. Ça qui fait me pas trop content, c'est que pleine, pour qu'on ait une quantité de l'eau que le besoin pour faire du riz ça vous donner. Ça veut dire qui ça? Sous rivière Massacre, il y a 11 prises que Dominicain vous prend sous l'île. 11 prises. Et pourtant, nous-mêmes, en Haïti, nous avons zéro. Depuis 2013, je suis goumé. Je dis en 2019. Je suis monté président. Premier souci, je suis venu dans Wanamet. Pour te garder ça. Problème de division. Je répète. Fait que 35 mois après, malheureuse. Dans Maribao, pourquoi jouer le massacre? Ça, il n'est pas fait bien. Mais c'est une réalité que lui. Et m'a dit aujourd'hui, hein, nous-mêmes, qui sommes agriculteurs, qui tapent tant de loi, je prends courage. Yo dit monsieur là mais au bait coûte mais tout oui et surtout avec pelle mécanique là au bait coûte mais monsieur toujours aider en courant en mettre ensemble pour tra conseil de nèg moi obligé retourner sous on parti dans ça parce que gain en pile zami qui t'attendait émission ça et puis t'es raté même t'es fait on m'était refait le samedi hein mais nous pas sous zénith et m'a prend petit cal là dans surtout côté m'était pas fini. La police frappé dans quoi des bouquets. Toi on a regardé sur écran, on t'a parlé de lui. Tu as une information t'a partagé avant hier. Comme quoi monsieur t'a mouri. Pas oublier souvent dire que moi-même pas dans sensation c'est information m'a bail pays. Next, on a regardé sur l'écran. Monsieur son gros chef gang qui n'a quoi des bouquets. Monsieur c'est Tineg pièce 6 dans Cité Soleil. L'homme dit ça sur page Facebook, on a dit Tite, comment monsieur fait Neg pièce 6 et puis il en base 400 marozo. Il dit mais attention, le monsieur dans pièce 6 là, monsieur était chauffeur taxi motocyclette, il pas de bandit, il pas de co-bandit dans niveau ça. Il me dit prend paquet exemple. On dit par exemple même pour le boucan non ouais tout nèg a 12 Delma 6 Delma 6 al nan mari a mandé tout pour une baie qui est pour le boucan hein pour le boucan vinn descendre Delma 6 monsieur fonctionnait effectivement le monsieur était fait arriver Delma 6
monsieur te met ton stabilité en Delmas 6. Mais qui ça monsieur pral faire en pile ti vole monsieur t'a courir derrière yo kounya monsieur vinn reprend yo comme soldat li dans base li. Donc là la vinn mélanger on quitter ça. On te prend exemple sous l'amour sans jour par exemple. L'amour sans jour fait toute action dans quoi des bouquets monsieur panek quoi des bouquets. L'amour sans jour nèg Tomazo. Et ça te fait pour base 400 Maozo li prend naissance même dans 10000 so qui c'est deuxième section communale Tomazo. Nan trou kaïman soit là ou jeune en pile famille l'amour sans jour. Tendez bien. To sa sur écran monsieur c'est Tineg pièce 6. Dans pièce 6 sous des soleil. Monsieur vient à fonctionner avec Negio. Monsieur quitte sa fait motocyclette là. Monsieur Vini m'a retourné sous image tout bandit ça dans semaine là pour nous parce que Negio retourné à factualité. C'est parce que vous venez trop à l'aise. Nous obligez permettre que pays a découvert au plus pendant la police a fait travail par l'autre côté. OK? Et il m'a venu sur Timagali, faut me tout rappeler paysan, Timagali pas sur réseau social. Donc quel que soit compte Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et tu qui écrit Timagali quoi des bouquets, c'est fake, c'est pas vrai. Et Timagali, il pas gain temps pour bailler ça. Lui même c'est service là bailler la République. Elle pas gain temps pour réseau social. C'était été cap informé, yo ça qui passé dans le monde. Pas konn bay comme ça, mais pas gain temps. Yo pas gain temps. Même radio pas gain temps pour entendre. C'est parfois comme ça au fond coup de jeu pour regarder ça tête tap dit dans pays là. On a c'était aidé, on t'était aidé yo. Soit la police. Pas grand ken bon policier pas conscient de travail tété là. Nous clair sous ça. Et puis c'est bon policier ouais que on en SWAT. Ouais ti monsieur SWAT torse, il a frappé sérieusement. Ok, ti monsieur quoi de bouquet frappe ou bon bagay, kek gren la dan yo, yo tout respect pour travail de dia. Tande bien be ya. Eh bien, to sa tsou ekran, se neg sa ou rele tchouko. Monsieur rele, vrai nom monsieur Damas. Damas alias tchouko. To sa. Depuis les collègues tombe ya, m'tande l'amour sans jou te besoin mette monsieur chef. D'ailleurs, monsieur fâché là, parce que l'amour sans jour, il évite l'homme pour m'en débarquer, alors que vite l'homme, eh, monsieur, de prendre balle, pas longtemps, là, ouais, la fait intéressant, bah, il s'en, monsieur, bat en forme. Mais que gagne vie, brigade course, monsieur, mais monsieur, bat en forme, il était, bon, après ça, le prend, ça, vous fait, il coupe toute route, et ça te fait, me dit la police, font coup de tête, temps en temps, dans l'hôpital du Méa, temps en temps. Il coupe toute route pour la police pas arriver. Et monsieur, de prendre un petit bagage. Après ça, bon, m'tende, il y a le pas l'examen milio, etc., pour le dire que l'enfant, mais qu'on s'allie, bluffer lié. Et de temps en temps, bon, l'a après définitivement. Et bien, ça qui passe, l'homme sans jour, mandé monsieur Bakop. Bien que, bah, ça, pourquoi on a fait un petit bal? Parce que, pas longtemps là, vite l'homme était envahi, nèg Rémi, il a vidé balle sous plusieurs nèg tombé. Parmi eux, même chef là, t'es tombé, qui t'a dirigé Rémi. Mais l'homme sans jour, sent-il paniqué, et monsieur paniqué tout bon. Monsieur pas qu'à mettre pied la tête. Et puis, monsieur mandé vite l'homme Bakop. Nèg yo pété balle quoi des bouquets hier soir. Depuis 1h30 coup de balle a tiré. Presque 3h du matin, nèg yo a pété balle. Et pas un te gain non. Nèg yo a fait pression pour moun pas sorti pour la police comme si paniqué pour yo joindre temps pour yo fouiller trou. Et m'a demandé la police Timagali en particulier. De vous avez entré dans zone quoi des bouquets, remarquez gen feuille bois à terre. Ou remarquez gen drap. Gen vie sac à terre, gen sab, fè prudence. Parce que nèg yo fouyon paquet trou à terre pour Timagali pa rentre al jwenn yo andan. Ça ti bay k'ap passe là. Eh bien, qui sa k'ap passe, c'est que Toro sa, Tchouko, nan de lan mort te bezon choisi, monsieur, pour remplacer collègue. A dit, monsieur, gen pran grad. Mais te gonti discussion là. Entre 69 qui devle jouer rôle là comme pas ta montrer nèg ça yo ta vinn sou yo demain si Dieu veut parce que là nan dans kay collègue on ba vle montrer nous et on comprend ta vinn sou yo demain si Dieu veut parce que faut montrer faut retourner sou nèg ça yo pour me ka montrer tout nèg ça yo k'ap créer problème dans quoi des bouquets mais en rete là en attendant et ben Tchouko ça monsieur frappé. Donc, contrairement à ce que ça m'a dit, monsieur Mouri, dit, non, monsieur va gagner.
Au contraire là, monsieur t'a semblé pas content parce que comment l'amant sans jouement d'éviter l'homme backup alors que monsieur t'a semblé pas au courant. Pourquoi ça vous ne pas trouver l'autre? Pourquoi vous ne pas fâché là et puis vous ne trouver l'autre? Et nous t'a content, nous t'a payé un coût, mais on va prendre dans ce sens ça et vous ne détruire l'autre. Parce que monsieur pas content là, parce que l'homme aurait évité l'homme directement pour le mander le backup, alors que vite l'homme, dans l'idée, ou vient couper fouiller trou, monsieur pas content, monsieur t'a fâché là, monsieur dit le pas normal, et, etc. Pour vite l'homme vient couper pont, sans que vous ne vous pas dit l'homme, vous ne pas avec il. Eh bien, qui ça la police fait? La police, le collègue vient tomber, parce que il y a des gens qui ne peuvent pas dire que le collègue tombe vrai. Parce que collègue là tes pensées sont au grand délier sont tout puissants. Elles sont les qui joue menacer monsieur Abdoul va prendre en balle, me songe monsieur qui t'a parlé ou nex au début ouvrir bouche tété au cité, monsieur dit tété, alors pas jambe dit monsieur prend balle non. Même tendez gain les autres rapporté monsieur dit il prend balle. Et monsieur dit monsieur Levera dit côté collègue, mes collègues oui. Écoute monsieur. C'était mes collègues. A tété la parle. Le collègue dit prend balle la tété. Vous allez foutre tété mais. Mais On gagne. C'était à chaque fois, nous avons dit qu'on m'a dit qu'on n'a pas les cartes, moi-même. C'est content, on fait un feuille. C'était, nous qui méchants, c'était venu. Quand tout n'est pas nous fouillé, nous sommes amis. Nous sommes amis. Nous allons mourir. Merci. Alors, qui s'acrivait le monsieur a montré? Ouais, par contre, pour ça, il y a eu le panique, vrai avec tété. Il y a eu panique avec tété, sérieusement. Ouais, si monsieur pas montré l'autre bandit, non, c'est moins la montrer que tété, elle va prendre balle. Bon, ok, pas un problème. Même pas de jambes de prendre balle, non, le ça. Je dis que, par une sensation, n'a confirmé ça demain si monsieur t'apprend un petit bagay. Mais n'a pas dit le débran bal. Monsieur vient faire vidéo rapide pour montrer. Ouais, si monsieur t'es là, il t'a fait vidéo vrai pour le montrer. Tete, non, doit dire mourir, tete, même la mred. Eh bien, pas bon menti, monsieur nan dos Saint-Jean l'autre bord. Et là, il fouille en terre, il lague, monsieur. Bien beau, 9h, 10h, comme ça, dans le matin, il flag en terre, il gratte en terre, il fouille. Donc, si là, vous voulez, vous avez un cadavre, monsieur, si vous voulez. Un dos Saint-Jean l'autre bord, ma vine sous ça demain si Dieu veut. Pour me battre tout détail quand on enterre, monsieur. Vous comprenez? Et à te à nous, bon, me dit un petit bagay. Eh bien, qui s'est passé, c'est que, collègue n'a pas gardé sous écran, monsieur, tu crois que par un va arriver.
c'est collègue qui sur écran. Et zam n'a pas gardé sur écran là, c'est zam collègue. Mon van, est-ce que là papa? C'est zam collègue, zam ça t'est dans coup collègue. Sandale ça t'est dans pied collègue. C'est vieux camionnette ça nèg prend pour transporter cadavre collègue. Qui ça qui cause image collègue pas prendre la rue? Parce que contrairement à ce que la police dit, parce que moi c'est vérité à Bombay, pas de opération qui d'almène vrai. Son croisement qui fait. Pas de opération. Si était opération, t'as gagné au moins deux chars parce que pour ne pas attaquer collègue dans fief li, faut ne pas gagner bagaille normal. Faut comme si pour ne pas attaquer collègue dans fief li dans guédon. Ah, faut ne pas gagner bagaille normal. Eh bien, nèg yo tellement fait crime. Et n'ta pas là quelque monde quoi d'avocat qui dit que même la police quoi d'avocat a remarqué un drone qui en l'air, yo pas gain contrôle drone là. Et m'a mené enquête sur ça jusqu'à présent parce que gon ti oreille qui t'a fait comprendre collègue te gain drone. Kagouba, et n'a investigué sur ça. Yo dit collègue te gain drone. Kouni a fait ou ta mené investigation, est-ce que monsieur te gen drone vrai? S'il te gen yel, comment le fait gen yel? Et qui est-ce qui ba li information technique pour l'utiliser drone non? Son pays difficile. Qui ça fait que image monsieur pas gen tan circuler? C'est parce que c'est pas ton opération, Jean la police dit à tal mené vrai. Ok? C'est justement un croisement. Plusieurs camions t'ont traversé dans le moment. Et ti Magali, t'es dans Brian. Nego, t'es dans Brian. Yo dit, monsieur, là, mais yo bait gout met oui. Et surtout avec Pelle Mécanique, là, yo bait gout met. Monsieur, toujours aide en Corée, en met ensemble pour nous traconser de nek. D'ailleurs, yon paquet trou là qui couvri, qui bouche, Pelle Mécanique, là, aide. Monsieur, là, mais yo frappe, aide en frappe. Yo dit, m'gen en pile, ti monsieur, soit yo tout kap frappe, m'gal montre nous comment Nego fait pénétration dans tout. Tendez bien. Et mais qui s'est passé, c'est que le nègre apparaît. Et puis, nègre remarqué, il y a deux taureaux qui arrivent. Et puis, il y a un image qui était utile à la République. Et puis, nègre identifié. Il y a un téléphone qui est tout marché, oui, dans la machine. Et puis, il y a regardé. Est-ce que tu étais pas là, il y a ça? Et puis, il y a regardé. Il y a ces taureaux collègues qui arrivent sur yo. Parce que information me déjoint avant. Ti Magali te font passer en bas. Depuis sous zone la tremblé, les gote te font feu cartouche, mais Ti Magali pas réagi. Il fin assuré que camion traversé et puis il dit faut le ça fait le père. Et puis l'elle vire dans coup là, deux nèg qui va venir en face là, c'est monsieur collègue et son adjoint. Premier nèg qui attaque c'est adjoint. Et puis qui s'arrive, c'est que le au fin lagué adjoint à te, qu'on y a collègue à faire résistance avec Zam Sanamel. Ah, yo géré, monsieur. Yo géré, monsieur. Qu'on y a qui ça te fait? Yo pas gué t'en prendre image, monsieur. C'était seulement chaté là, pas gué 2-3. Parce que le coup de balle pété, qu'on y a tout soldat qui t'a réuni pour péter balle. Koun yan le nèg yo remarqué collègue tombé et puis gen deux nèg gen bap yo met pied yo a terre première action nèg yo prend ses zam manche longue là ouais yo oublié l'autre adjoint té là ses zam manche longue là té dans coup collègue et puis nèg yo prend et puis yo a progressé sur l'autre nèg qui pété balle sur yo le temps nèg yo a progressé puis gon l'autre groupe qui passait derrière qui vinn raler cadavre collègue yo courir à cli camionnette ça té tout pour yo fourrer là dans yo sauver ou pas comprendre nous même. Yeah. Et ça te fait une bataille de photo, monsieur. Yeah. T'étais à gagner. Ça t'est à nous. Ouais. Et bien avant, monsieur mourit. Et ça te fait, m'a dit ça avant hier. M'a parlé directement avec chef police là. France LB. Et moi, t'ai dit qu'on paquet de bandits qui a taille banda. C'est parce que, premièrement, pas une volonté politique pour traquer bandits ça.
Parce que je dis, le pays est invivable. Bandi acheté Haïti l'argent comptant. Mais deuxième bagarre, c'est responsabilité. C'est vraiment conscient. Les policiers n'ont pas formé pour type de combat. Mais ils n'ont pas le choix. Nous, c'est force légale. Qui donc, force légale par rapport à courir pour bandit qui est illégal. Pour d'ailleurs, nèg sa ou pas jamais campé ou même vrai. Ou jamais ou nèg sa ou comme si nous face à face vrai avec la police. N'a yon doit cache un côté puis on groupe policier a passé ou vide bal zoli. Mais n'a yon pas m'pren la ou vrai vin campé pour font face à face. Là on était dans série de corridor al caché et ça fait parfois des monde qui victime, c'est dommage collatéral et qu'on l'autre réalité qui a passé dans plein dans tout. Et ça te fait souvent qu'on dit aux policiers tuer ben innocent, ça crivé. Gay en pile côté nèg a fouiller trou, ça au fait, yo utiliser moun dans zone nan ba yo pression pour faire al fouiller trou pour yo. Là la police débarque elle pété balle. Il pas connait qui est-ce qui innocent, qui est-ce qui pas innocent t'a fouiller trou. Malheureusement, ça qu'arrivé. Et nèg yo fait l'empile. Yo force moun nan zone nan pour aider ou fouiller trou bien di yo yo campé dans rage ap veye yo di moun nan al fouiller trou pou yo. Son gros bagay k'ap passé là dans pays ya oui. Eh bien qui ça k'ap passé c'est que Jean te di yo chef police là. Soit passé belle. C'est des policiers k'ap travay qui risquent vie autre fois passé belle. Fè ou passé belle tout. Qui donc mandé ministère finance prend responsabilité, mandé président, mandé chef CSPN non, prend responsabilité. Policier va plaindre parce qu'il pas joindre prime de risque. Policier va plaindre pour petit 4. Policier va plaindre parce qu'il pas touché. Qui monsieur 31e promotion va déplaindre non plein. Qui donc policier va plaindre parce que il pas gain équipement, il pas gain moyen pour le fonctionner. Non, faut gérer ça. Et gan pile grade n'a bay nèg sous base comme si zan mitay. Gen policier travail qui mérite grade bayol. Et même sous tabali que le pou ka touché mais l'état d'ouel que le gen garanti que l'état d'ouel sous grade là. Ça va coûter rien. C'est ou gen responsabilité pour fèl. Au moins n'a gen garanti que au moins li konnen li pa travail en vain. Donc encourager bon policier ça ou besoin yo. Et gan pile nèg dans SWAT qui vin inspecteur nèg yo suspend travail gan pile complète pou yo ou gon remarquer gon patrouille là SWAT et pour son petit jeune et qui a dirigel parce que gan pile nèg là puisque yo vin prend grade tout et puis yo vle nan bureau pour yo chita yo va le pied ou à terre alors que techniquement yo pi correct yo te ka utile la république c'est pays là ba en coup de main même Jean te dit nous ti monsieur BLTS yo. Et là, t'es pas le nèg yo vin non ti kras pran men yo, même te di monsieur le trop facile. BLTS pa ka la pour vite le map taye banda kon sa. Faut nous comprendre complicité qui existait entre base vite l'homme et BLTS. Pas une blague de ça. Et bien la société, j'en ap gade image dans sur écran. Collègue monsieur parle encore. Collègue n'est plus. Ça c'est effectivement zam qui est dans coup collègue qui tombe. C'est sans collègue kate a la. Donc, si vous voulez, collègues, c'est 100 ouais, là. C'est 100 collègues qui a terre. Qu'on y a qui ça passe? La popo font poté bourré. Là, c'est Chouko. Chef gang sale, mon tevle, ou bien tavle, pour ta remplacer, collègue. Mais, gen ti parle en pile jusqu'à présent, m'en connaît. C'est Zam, surtout les élections, monsieur Lambert. Mandez tout le monde. Le monde, écoutez, changez-vous, vous faites. Tout le monde connaît tout le monde. Mais nous songeons que tu as gagné Shelson Sanon qui t'a cité non, comme quoi, ou t'es proche, et ou t'as gagné une accusation sous dos comme monde qui t'a dans le kidnapping avec trafic de drogue. Mais moi, déchargé. Parce que comme journaliste, même en question comme ça, ou peut-être même besoin de venir avec lui. Parce que vous avez entendu Shelson Sanon à la radio. Vous avez entendu ces déclarations, vous avez entendu cette chanson qui a fait son mea culpa et qui disait qu'il avait été utilisé par les organismes de droits humains pour essayer de salir mon image, celle de d'Ozénie et consorts.
Je ne parle pas pour le monde, je ne parle pas pour Edozé, je ne parle pas pour X Ruger. Je parle de moi-même. Tant que Edozé a dit, il a parlé pour tête libre, je ne parle pas de Joseph Lambert. Mais écoutez, si vous-même comme journaliste, et que même lumière, ça n'a pas capoté pour le monde. Non, mais c'est ça qui fait le poser aux questions, hein, peut-être pour retourner sur lui, parce que ça, quand même, pas oublier que il était dans l'esprit de Mounio. Et c'est peut-être une bonne occasion. Non, c'est peut-être une bonne occasion pour retourner sur lui, parce que moi-même, effectivement, m'étendais déclaration de Chelson Sanon, qui est toujours dans la prison, qui dit qu'il était utilisé, etc. Mais il était dans l'esprit de Mounio. C'est peut-être une occasion pour préciser sur lui, sénateur Lambert. Merci beaucoup. C'est une bonne opportunité que l'offrime. Et si peut-être moi réagis différemment, je m'en excuse. Ouais. Et c'est ça la grandeur d'un homme lorsque senti peut-être pour cabaret. Et c'est cette capacité que en pile dans nous va gagner pour ça parce que nous orgueilleux. Je ne suis pas un orgueilleux, je suis quelqu'un de pragmatique. Mm-hmm. Aujourd'hui, le cas de Chelson Sanon, où je choisis pas jamais faire commentaire sur lui. Je ne choisis pas commentaire sur lui, j'avais choisi en tant que président du Sénat, en tant que sénateur de la République, sans la volonté de collègues de l'Assemblée, me soumettre à la justice pour que la vérité sortie et la justice finisse par rendre compte que Chelson Sanon, t'es baïmenti, assassiné son caractère, comme pas connaître comment on dit, et autres, etc., et vous pouvez la juger par devant le tribunal criminel. Et Chelson Sanon, après 8 ans, pauvre Valéria, peut-être, a été mal utilisé, ou bien utilisé innocemment, avec toute naïveté, pour la essayer de détruire l'image l'autre. À quel fin, point d'interrogation. Mais Chelson Sanon est encore vivant. Qu'en est-il de police parlementaire, monsieur Lambert? Vous dites? Qu'en est-il de police parlementaire? Ils sont là. Et la police parlementaire n'a pas gagné pour gérer la rue. Ils ont gagné pour gérer et pour sécuriser en fait parlement. La rue n'a pas pour eux. La rue, c'est pour la police nationale. Sinon, c'est un lobby qui a gagné entre la police nationale, qui est dans la rue, police parlementaire, tout partout, dans Pétionville, dans Delma, et autres, etc. J'ai fixé les règles au niveau du Sénat. La police parlementaire gagne pour là, pour lui d'abord porter sécurité et assistance à des collègues parlementaires qui le souhaitent dans l'enceinte et parlement, dans l'enceinte dans résidentiel, et plus particulièrement sécuriser l'enceinte parlement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils font leur job que la police aussi fait. Le leur. Mm-hmm. Après, qui est fini, puisque nous n'avons pas planifié avoir pour tout le temps. Ça, mais bon, moi, de nous là. En pile fois, il y a des gens qui ont cherché source côté Zamio sorti. Et là, ça, il y a de groupes, par exemple, agents sécurité, qui ont dit compagnie sécurité, qui ont même fait Zam rentrer peut-être de façon légale. Mais il y a tout de sénateurs, de députés qui, pendant toute législature yo gagnait de agents sécurité avec yo en pile fois des civils donc qui pas policiers qui gagne gros armes dans main yo. Je dis là il y a monde qui prend des côté armes ça yo. Est-ce que ou même comme président du Sénat de la République ça t'est toujours attiré attention et nous t'ai fait qui ça pour que nous t'ai gagne contrôle armes ça yo qui avec de sénateurs des députés par exemple pendant mandat yo et après personne pas connaît qui sans âme ça est devenu côté yoyé? Est-ce que vous remettez la police ou est-ce que vous remettez dans le bureau au Sénat, par exemple? Moi, je ne parle pas de chambre députée. Qui ça? Parce que c'est des entités distinctes. Non, comme vous êtes député, c'est ça que fait moi toute législature. C'est son façon générale. Période ça, député pas de âme dans le bureau, c'est tellement. Il n'y a pas de gros âme dans le bureau. Période ça, pas de niveau insécurité, ça, tout en 1990. Tout député, t'es gagné, on revolvait. Un revolver qui était légalisé. Bon, pour période côté moi-même des députés. Mm-hmm. Pour période côté sénateur, niveau insécurité a tapé monté. Et nous avons des sénateurs qui gagnent des armes et des fois, tant qu'on dit, ou bien des civils, entre guillemets, qui accompagnent eux. C'est parce que c'est ça que fait ou
direction police parlementaire là était une criée pour essayer de légaliser ou bien normaliser question ça. On a fait de la police parlementaire en direction de la police parlementaire qui en dans la police nationale. Yo pa, monsieur Lambert. Oui. Ou dit yo en dans la police nationale, tandis que yo pa, non seulement yo pas recevoir formation dans la police nationale, en plus de ça, la police pas même gè contrôle sur yo même. Justement, parce que la police parlementaire là, il relevait de compétences exclusives Sénat République là, et plus particulièrement c'est le président du Sénat qui lui-même gagne la charge. Et bon, c'est capable de permettre d'utiliser un mot qui n'est pas cadré totalement, mais c'est le commandant en chef, si je peux dire ça. Et deux, et la police nationale, direction police parlementaire, te mettre après émission, non, ma boue baou, copie, moniteur qui t'écrit là. Et toi, je travaille de concert avec le directeur général de la police présentement pour nous essayer de garder qui gens pour nous normaliser question ça et faire de telle sorte que cette direction de la police parlementaire, eh bien, l'est capable de relever de la compétence totale et exclusive de la police nationale. Et ceci après période de formation appropriée que yo gagne pour yo ta subi et pour façon pour que en bas désormais même lorsque il y a des directions de la police parlementaire mais il est capable de gérer administrer bien contrôler ou bien pas qu'on aime l'armée à trop bien ou bien la police à très bien mais c'est la supervision de la police nationale qui lui-même non, mais commissaire divisionnaire ou bien commissaire qui pour lui-même gérer troupes qui gagne sous compte en dans direction par police parlementaire. Ça veut dire un commissaire divisionnaire et autres, etc. Voilà, c'est une façon peut-être, c'est une façon peut-être d'essayer de normaliser ou de régulariser cette situation. Président Sénat qui censé major Jean cap diriger police parlementaire là, mais qui enquête nous fait sur yo, qui est sur yo, yo pas jeune aucune formation de la police, yo pas sous contrôle la police, qui est sur yo, côté au sorti, nous juste un groupe jeune garçon qui environ 600 et agents, et puis nous doter aux deux armes et puis nous bailler un titre agent et police parlementaire. Ok, seconde entité. Pour des raisons stratégiques, je ne vais pas dire ça là, pour nous, sur la radio. Je vais dire peut-être en privé, comme un responsable, un journaliste, qui est supposé informer, sans que peut-être pour des raisons de sécurité, pour ne pas rendre la radio en public. Mais comme on pose des questions, je vais dire en privé. Et deuxièmement, qui ça nous fait? Le premier bagage que nous fait victime sur toutes. Nous fait victime. Et pour tout le monde qui nommé ou mes nommé comme policier parlementaire, nous exigeons un casier judiciaire dans le DCPJ. Et c'est une première bagaille que nous exigeons. Tout le temps pour ne pas avoir un casier judiciaire, ça, ou pas capable en dans l'institution. Et deuxièmement, pour ceux-là qui étaient déjà là, eh bien, nous faisons victime sur eux, et bien, pile là-dedans, eh bien, victime dans le réveil des négatifs, et qui, que nous te trouvons nous dans la pénible obligation, même pas pour nous recycler, mais pour nous te mettre out institution, pour nous flanquer dehors, parce qu'il y a un digne pour qu'il y ait un bon groupe comme ça, parce que victime révélé qu'il n'y a pas apte et à intégrer encore tant que police parlementaire. Là. Mais nous mettons dehors armés ou bien sans hommes, non? C'est ça, mais madame. Alors, mettez-vous des dames. On va faire un gang. On va faire un gang qui manchette. Ou bien non, vous voulez qu'on ait. Vous voulez qu'on ait. Nous mettez-vous dehors. Comment est-ce que nous récupérons matériel et parlement qui est dans le meilleur? Vous voulez me dire un bagaille? Les âmes qui gagnent, c'est les âmes qui surplacent et que personne, policier parlementaire, par exemple, doit sortir ensemble avec lui. Et c'est des âmes que leur vie n'y travaille. Dans leur travail, ils ont utilisé et leur sorti, ils ont fait rapport et remettre les by group qui a remplacé. Et par conséquent, nous n'avons pas de policiers parlementaires que nous avons des âmes dans la rue. Et si il y a un monde qui est policier parlementaire
et qui gagne Sam dans la rue, m'a dit où d'office Sam ça s'il est illégal, la police nationale m'est arrêtée là avec lui. Peut-être que c'est ça parce que il est supposé, même j'ai avec moi, même Joseph Lambert comme président Sénat, si je peux un revolver sous moi, eh bien, il faut que le revolver ça, moi légaliser normalement. Et c'est ce que je fais toujours. Et là encore, moi j'ai un revolver qui gagne l'état les joints LB au nom de Joseph Lambert qui m'a dit pour que je fais balistique examen et etc. Même j'ai avec tout citoyen et qui pour mon carte que maintenant bouche moi que me capable côté examen en même son façon pour distinguer les bons grains de l'ivraie parce que faut qu'on aide la police tout dans le travail que la faire pendant qu'on boit plein toute la journée pour dire la police pas bonne sécurité mais faut qu'on aide la police tout que gagner plusieurs agents parlementaires que la police a arrêté dans des mauvais actes. Oui. Bon, mais moi, avec c'est homme de poing. Ça nous pas ignorer tout, monsieur Lambert. Ça nous pas ignorer tout, sénateur Lambert. Il y a un pile policier qui révoqué avec matériel la police dans mes yeux. Oui, oui. Allô? Oui, oui, vous m'avez répondu, sénateur. Il y a deux, trois mouns que vous avez arrêté dans mauvais actes dans la police parlementaire. Première réaction, c'est que ça. Un, en attendant que vous justifiez que et vous prenez une mauvaise affaire à tout bon vrai, nous mettez-vous en disponibilité. Et deuxièmement, leur question en fin de consommer, eh bien, nous renvoyer. Écoutez, c'est aussi simple que ça. On fait l'administration, ce pays n'a pas fait. C'est un pays, on fait pays, c'est notre pays, nous notre pays. Moi-même, mon côté pas moi, on croit que je fais du bon convenablement. Bon, on peut mettre que répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure sur qui contrôle nous gagnons sur des agents qui étaient affectés avec des sénateurs de la République avec gros âmes dans main. Est-ce que ça me sait, c'est Sénat qui est baillé ou retourner venir joindre nous ou du moins, comment ça y est? Comment ça y est d'habitude? Là, nous gagnons ça. Nous faisons comme ça, mon cher foi. Nous sommes commandants en 2006. J'étais président du Sénat à l'époque. Et là, nous étions fait commandants, ça. Nous étions purement et simplement choisis pour que nous légalisions. Et puis, c'est la police nationale qui était autorisation tout pour acheter. Après ça, toutes les armes lourdes et hautes, etc., côté qu'à retrouver. Non, mais. Un particulier qui est avec un sénateur, c'est à lui-même et à lui-même seul pour porter responsabilité. Hein. Pas à moi. Pas au Sénat, comme institution. Mm-hmm. Je crois qu'à ce niveau-là, je suis clair. Eh bien, merci un peu, sénateur Lambert. Merci un peu. Bye bye. Mm-hmm.